Bon, alors deuxième partie de cette série de vidéos que je vous avais présentée avec les petites questions-réponses rapides, une question par épisode, une question à chaque fois et on répond directement dans la vidéo. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se taper une tartine de vidéos, c'est-à-dire des vidéos de 40 minutes, etc. sur le sujet. Ce que je propose déjà sur le site, pour ceux qui sont les plus passionnés d'entre vous, vous savez, vous avez l'espace VIP où c'est des longues vidéos sur un sujet, on décortique, que ce soit l'entraînement à domicile, etc., avec des vidéos, des exercices, enfin bon, tout un tas de choses. Mais je sais qu'il y a une grosse communauté sur YouTube qui aime le contenu rapide, donc je m'exécute en reprenant à la septième question qui était: est-il mieux de boire de l'eau froide en été ou chaude en hiver versus tiède pendant les deux périodes pour qu'elle soit utilisée plus rapidement par le corps du fait que l'estomac n'a pas besoin de réguler? Alors, en fait, tu donnes ta réponse dans la question, mais il y a des personnes qui ont tendance à surchauffer un petit peu. Quand je dis surchauffer, c'est attention, c'est un mot à prendre avec des pincettes. Il y a pas mal de personnes qui apprécient énormément boire de l'eau fraîche quand elles sentent qu'elles montent un petit peu en température. Ce qu'il y a, c'est que ce soit l'eau fraîche ou l'eau tempérée ou autre, c'est vraiment les avantages-inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes chez qui l'eau froide va filer la chiasse, tout simplement. Et d'autres personnes chez qui ça va faire beaucoup de bien. Ils vont avoir l'impression de mieux se désaltérer, ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, et ils vont avoir l'impression que ça fonctionne mieux pour eux d'utiliser de l'eau froide. Après, quand c'est au niveau des compléments alimentaires, etc., surtout la protéine en poudre, moi je recommanderais plutôt, en suivant les recommandations, je ne sais plus où je les avais vues, mais comment dire, je confirme que c'est vrai de boire ces shakers avec de l'eau tempérée. Alors pas tiède, hein, on ne met pas de l'eau tiède, c'est dégueulasse, après on a à moitié une soupe qui est en train de refroidir. Non, non, d'avoir de l'eau tempérée, c'est-à-dire à la température extérieure, si vous avez des bouteilles d'eau, la température qui fait chez vous. Après, moi, je trouve que l'eau tempérée est relativement intéressante durant l'entraînement, tout simplement parce que vu qu'on a tendance à chauffer, on perçoit l'eau. Alors, c'est sûr que si on s'entraîne dehors en plein cagnard, c'est pas pareil, mais si on s'entraîne dans une salle un minimum climatisée, on a l'eau, on la trouvera plus fraîche pendant l'entraînement qu'à un autre moment. Donc, il n'y a pas réellement d'avantage, mais il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas, le corps régule. Hein, quand il y a des forts écarts de température qui rentrent dans l'organisme, forcément, le corps compense. Donc, si on veut être au maximum de son énergie et qu'on comprend un peu le fonctionnement, forcément, une eau tempérée sera toujours plus adaptée. Après, si le froid vous fait beaucoup de bien, il n'y a aucune raison de vous en passer. Après, boire de l'eau tiède, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée forcément. Voilà pour cette question. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Il y en aura certainement d'autres. Je ne peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche. Tu as tout ça en description de toute façon. Et puis, si tu as envie de t'abonner, tu as le droit. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire. Sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne, et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà. Je te dis à plus. Bye.